Je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba FAYE, étudiant en doctorat 2 de médecine, président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine de pharmacie d'odontologie de l'Université de Dakar. C'était un moment difficile, donc d'abord il faut le souligner, parce que c'était dans un cadre de pandémie, donc à l'échelle internationale, qui touchait tous les pays. Donc, et notre pays n'a pas été épargné. Ce n'était pas facile également pour étudiants de devoir tout arrêter donc, face à une pathologie inconnue. Mais fort heureusement, donc, disons que les étudiants se sont investis donc, et ont pu prendre la chose d'une manière positive, donc, en essayant en tout cas de s'activer. Donc, raison pour laquelle, quand les universités ont été fermées, donc, nous, représentants étudiants, donc, particulièrement moi, le président de l'amicale, donc, je suis resté au niveau, en tout cas dans les alentours de l'université, pour pouvoir suivre au quotidien aussi les problèmes des étudiants. D'ailleurs, c'est sur cette base même que nous avons dit qu'il serait important de demander à nos étudiants, puisque étant des agents de santé, donc d'accompagner la politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la prise en charge du Covid-19. Donc d'ailleurs, les étudiants avaient répondu favorablement, donc ce qui fait qu'aujourd'hui même, ce sont eux qui sont toujours dans les centres de traitement des épidémies pour gérer les patients atteints de Covid-19. Donc c'était pas facile, mais alhamdoulilah, donc en tant que représentant étudiant, donc il était de notre devoir, en tout cas d'être là, de pouvoir veiller à ce que les étudiants, malgré qu'ils soient 16 ans, qu'ils ne puissent manquer de rien, en tout cas sur le volet pédagogique. Nous pensons qu'une reprise au mois de septembre s'inscrit dans un cadre vraiment, disons, d'une diminution, entre guillemets, de la virulence donc, de la pathologie, mais également d'un cadre de déconfinement à l'échelle internationale également. Donc, nous savons également que les gens ne pourront pas éternellement rester chez eux, donc, alors qu'il y a le système académique qui doit fonctionner, mais également, il faudra que les étudiants puissent évoluer. Donc, les discussions étaient très houleuses au début, donc, avec, disons, les parties prenantes de l'université, mais de commun accord, les gens se sont compris. Donc pour réouvrir au mois de septembre. Maintenant, cette réouverture devra s'accompagner donc d'un arsenal d'accompagnement, surtout sanitaire. Donc parce que aussi qui dit retour des étudiants au niveau de l'université doit prévoir la promiscuité qui existait déjà. Donc le fait que les étudiants étaient tellement mélangés les uns avec les autres, de telle sorte qu'il sera vraiment difficile de respecter les mesures de distanciation sociale. Donc raison pour laquelle nous attendons des autorités qu'ils puissent prendre en compte cela, donc, en mettant à disposition des étudiants de masques, donc de moyens de lavage des mains, solutions hydroalcooliques ou savon, donc, mais également de se préparer au cas où il y aurait un étudiant qui est testé positif. Donc également, nous mettons l'accent surtout sur la sensibilisation pour que les gens puissent savoir également qu'être atteint de Covid-19 n'est pas synonyme de mortalité, ce n'est pas une fatalité, mais également ce n'est pas une maladie en tout cas due à une bassesse. Donc c'est une pathologie comme les autres, donc, comme le diabète, comme la tuberculose, etc. Donc on en tombe malade, avec un bon traitement, on en guérit. Donc sensibiliser les étudiants surtout sur ce point-là, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, parce que aussi c'est presque évident qu'il peut y avoir des cas au niveau de l'université, mais s'il n'y a pas de stigmatisation et que les gens le prennent d'une manière positive, quand quelqu'un tombe malade, qu'il aille se faire consulter, avec la prise en charge, il sera guéri. Donc je pense que même s'il y a des cas, les gens vont les prendre en charge et l'université va continuer son fonctionnement normal. En tant qu'amicale, nous avions, disons, pris le train en marche donc très tôt. D'abord en demandant à nos étudiants d'aller dans les centres de traitement pour gérer les patients atteints de Covid. Mais également, grâce à l'administration de la fac qui nous a beaucoup accompagnés, nous avons pu utiliser les labos de la faculté pour la production de solutions hydroalcooliques.
Donc c'était une production qui au départ était destinée au personnel de santé, aux structures hospitalières, à la police nationale qui était tout le temps sur le terrain pendant la période de confinement. Donc aujourd'hui, donc, nous avons un stock en réserve donc, que nous prévoyons de produire donc, pour prévenir l'arrivée des étudiants. Parce que si en tant qu'amicale, nous avons en quelque sorte la responsabilité de veiller sur les étudiants qui nous ont mandatés, de veiller à ce qu'ils puissent apprendre dans un cadre pédagogique confortable, mais également qu'ils puissent loger dans le campus social dans des conditions sanitaires acceptables. Donc chaque jour, nous sommes en train de tenir des réunions avec les autorités concernées. Donc nous avons prévu une production assez conséquente de solutions hydroalcooliques donc, et une dotation de masques à nos camarades étudiants. Donc ce sont les grands axes. Maintenant, pour le reste, comme je l'ai dit tantôt, le travail sera surtout axé sur la sensibilisation. Parce que comme nous le savons actuellement, il ne s'agit pas tout simplement de protéger l'université parce que les étudiants sortent de l'université et reviennent à l'université. Donc du coup, miser sur le volet sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de respecter les mesures barrières, mais également de se faire soigner quand ils sont malades. Donc nous pensons que c'est la pièce angulaire même pour pouvoir réussir ces reprises. Nous le disons depuis le début, donc mieux vaut valider l'année difficilement que de le perdre facilement. Donc nous, c'est la conviction que nous avons parce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'année est invalide, mais ce serait trop facile alors que si nous voulons le sauver, ce sera difficile, mais nous pouvons y arriver parce que aussi beaucoup de facultés sont en avance, en tout cas particulièrement la faculté de médecine, où nous sommes convaincus qu'avec 2 mois, donc, le second semestre pourra être terminé, les étudiants pourront terminer leurs examens et passer à une nouvelle année académique. Donc nous pensons que vraiment il y a des chances de pouvoir sauver cette année si chacun s'y met, donc si on met de côté les susceptibilités et les velléités également politiques ou syndicales, donc, et qu'on puisse savoir que l'université est un cadre académique. Donc, et si chacun vraiment met sur la table l'effort nécessaire, nous sommes convaincus que cette année peut être sauvée et d'ailleurs de la plus belle des manières. Parce que d'ici là, au mois de décembre, vraiment c'est un temps assez fou. Donc, et certains sont en train de faire en sorte que des activités qui pourraient être menées durant cette période-là puissent être menées en amont. Donc, comme aujourd'hui avec la faculté de médecine, où les thèses d'exercice de médecine sont en train d'être faites en amont. Donc, les examens des étudiants de première année également que nous voulons faire en amont. Donc, ceci va nous permettre de gagner encore en termes de quantum horaire si nous reprenons au mois de septembre. Donc, durant cette période-là, les étudiants ne feront que se consacrer à leurs études. Donc, et après avoir terminé, disons, les cours pédagogiques et les stages hospitaliers, nous passerons aux examens du second semestre sans problème. Le message que nous lançons à nos camarades étudiants, c'est d'abord de s'armer de courage, donc, et également de savoir que ce sont des porteurs de voix. Donc de ne pas verser également dans la stigmatisation, mais également de ne pas accepter de le subir. Peut-être elle est pandémique donc à l'échelle internationale, mais c'est une pathologie comme tant d'autres. On en tombe malade, on en guérit. Donc ce n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas dû également au fait que la personne faisait quelque chose de mal. Donc il faudrait la comprendre ainsi. Et maintenant, une fois le retour enclenché également, que les étudiants se serrent les coudes, qu'ils puissent savoir que nous sommes dans une période de crise sanitaire et qu'il faudrait faire beaucoup de concessions pour pouvoir sauver cette année. Parce qu'aussi aujourd'hui, sans concession, si chacun veut avoir une satisfaction à 100% de ses revendications, nous ne pourrons pas arriver à bout de cette année. Donc cette année-ci, ce sera vraiment une année de concession. Donc nous demandons à nos étudiants d'être assez compréhensifs en ce sens-là et voilà, donc de faire en sorte qu'en accompagnant bien sûr les autorités académiques, nous pourrons sauver cette année, Inch'Allah.